être patrouilleur à Télé-Verbier, c'est commencer le travail avant tout le monde, finir après tous les clients. Mais c'est vraiment un très beau travail parce que c'est très varié. On est tous les jours sur les skis. Mon papa est patrouilleur aussi. Alors il connaît le travail, il connaît les risques, il connaît les plaisirs aussi. Pour moi, être sur les skis tous les jours, c'est vraiment un plaisir durant la saison d'hiver. Alors je m'appelle Louis Rogaud et je suis patrouilleur à Télé-Verbier. Alors Verbier, c'est un environnement très montagneux, c'est très haut et ça comporte des risques au niveau des avalanches. Le travail peut être très physique, notamment pendant les transports avec la luge. Alors on a un meeting le matin, on check la neige, on regarde s'il a neigé. Et en fonction de ça, on regarde s'il faut faire un minage avalanche. Le matin, on a chacun des arêtes. On descend des arêtes et on contrôle de chaque côté des arêtes en dessus des pistes. Mais après une avalanche, dès qu'il fait plus de 30 degrés, ça peut se déclencher à toutes les expositions quand il y a de la neige. On prépare les explosifs le matin et on s'éparpille un peu dans le domaine pour voir si il y a un danger d'avalanche. Et s'il y en a un, on envoie ces explosifs. Ensuite, on fait une petite discussion, meeting. Après, on attaque pour faire les pistes. Ça dépend des conditions, s'il a neigé, s'il y a eu du vent, si on doit faire un minage ou pas. Bah, pour moi, c'est un des plus beaux métiers au monde, on va dire. C'est chouette, on est toute la journée sur les skis. Puis voilà, ça m'a toujours attiré. C'est ce que je voulais faire, toute la journée sur les skis. Et puis, j'ai une formation dans la santé, alors le premier secours, ça m'a toujours attiré, puis voilà. Je travaille sur le domaine de Verbier. Puis on a un joli paysage, une belle vue toute la journée. Alors je m'appelle Mégane et je suis patrouilleuse. Alors, quoi faut être aware? Ben les conditions météo, la température et le vent et la hauteur de neige fraîche. Et en plus savoir s'il y a une cohésion ou pas entre les différentes couches. Alors le travail, il pourrait être dangereux, mais on essaye de travailler dans des conditions le plus safe possible. Oui, heureusement qu'on doit faire confiance dans l'équipement. On va dire, on a des sacs airbag. Ça, c'est une bonne chose pour tout ce qui est coulée de neige fraîche et puis des barry box. Et surtout, on a les collègues, quoi. Ben, pour moi, le boulot de pisteur, c'est quand même être utile en montagne et puis assurer la sécurité des clients sur les domaines skiables. Alors, je m'appelle Vandersine Jonathan, je suis patrouilleur à Verbier.